Willem loves Bordeaux! We zitten hier in de Notre-de-Mer. Het is een van de grootste gebieden van Bordeaux. Maar ik vind het eigenlijk ook de mooiste van Bordeaux. Bordeaux dat wordt altijd gerelateerd met de rode wijnen. Maar hier worden fantastische witte wijnen gemaakt. Je kan hem bijna ruiken, de nieuwe wind die door Bordeaux en Notre-de-Mer waait. Vandaag bezoeken we een familie die daar de perfecte belichaming van is. Thibaut en Basaline d'Espagne. L'Entre-deux-Mer, quelle a-t-elle de particulier cette région pour être si fière d'y habiter? On aime beaucoup notre région, on a toujours investi dans l'Entre-deux-Mer. C'est une belle région, c'est entre la Garonne et la Dordogne. Et en fait, ça s'appelle Entre-deux-Mer parce qu'il y a l'influence de l'océan qui rentre jusqu'à chez nous. La particularité ici, c'est qu'il y a beaucoup de calcaire dans le sol. Les blancs marchent bien parce que c'est mûr, mais il y a toujours cette fraîcheur. Et donc, on a des sauvignons blancs, des sauvignons gris, des sémillons, qui est un cépage exceptionnel, et la muscadelle. Dominique Persone, notre chef, il est parti au bassin d'Arcachon pour cueillir des huîtres. Ouais. Et d'ailleurs, il va en faire un plat à base d'une purée de pommes de terre. D'accord. Qui est accompagnée de ces huîtres. Ouais. Et donc, on doit essayer si le vin s'accorde bien avec ce mets. Je suppose qu'on le goûte. Santé, mon cher ami. Il y a du gras, il y a de la complexité, mais je trouve qu'il y a surtout ce côté un peu maritime, iodé. Ça me donne envie des huîtres. Je crois que... Ça tombe bien. Bon, ik ga een Belgische klassieker klaarmaken. Puree aardappel met karnemelk. Thuis doen we dat met garnaal, maar hier ga ik met een Franse toets doen. Met de heerlijke oesters van Arcachon. J'aimerais quand même porter un petit toast. C'était une expérience formidable. Et je crois que le mariage avec les huîtres, mon ami, c'est une grande réussite. Santé. Merci. Santé. Santé. Santé.